Salut tout le monde. Alors nous revoilà de nouveau sur Fishing Planet. Et ouais, ça fait un moment, ouais. J'avais plus trop le goût d'y jouer, mais là normalement, avec cette nouvelle mise à jour, normalement ça va me redonner le goût de jouer. Comme vous voyez, ils ont mis des compétitions, ils ont mis un petit peu du matos, de nouvelles DLC, corriger les bugs, le poisson qui se barrait en couille là, qui partait comme une fusée là, en l'air et tout. Normalement ça l'ont viré. Ben écoutez, on va se découvrir ça ensemble. Hein. Donc chers amis, nous vous présentons fièrement le nouveau mode de jeu, la compétition. Prenez vos cannes à pêche et participez en compétition avec d'autres pêcheurs, ok? Nouveau mode de jeu compétition, des hameçons, des leurres. Ouais, des hameçons sans ardillon pour la capture, pour lâcher le poisson. Faire du no-kill. De nouveaux succès liés aux compétitions. Un ensemble comprenant tous les nouveautés DLC. Ouais, il y a des réductions aussi en ce moment. Bon, allez, bref. 12 compétitions sur tous les points d'eau, compétition pour tous les joueurs de tout niveau. Planifiez votre participation à une compétition à l'aide de l'agenda, gagnez de l'or et accomplissez de nouveaux succès lors des compétitions. Un nouveau paramètre performance personnelle qui varie selon les résultats en concours. L'inscription pour les propriétaires de comptes premium est gratuite. Donc, on va déjà voir un peu le nouveau matos. De nouvelles cannes, achetables en or. Ça a pas l'air d'être des gros kilos. Jusqu'à 4 kilos, ce truc à truite, des trucs comme ça quoi. Nouveau moulinet, ouais, c'est pareil, c'est pas du gros. Moyen enfiloir, poisson JXX. Qu'est-ce qu'il fait lui? Poids max d'un poisson 25 kg, poids total de poisson 50 kg. Un nouveau petit sac là. Monture 85 et celui-là il en a 100. Vous attendez deux levels, vous avez celui-là à 100. Franchement ça sert à rien de prendre celui-là. Ok, hameçon sans barbe. Enfin c'est sans ardillon, ils ont mis sans barbe mais c'est un ardillon. Donc en ce moment 7 jours à 5,58 €. Moins de 30%, ça va. Hein. On verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai plus trop de sous dans le porte-monnaie là. Ok, rivière Midwater, lac Emerald, lac Rocky. Donc là, il y a lac Emerald, une chasse pour les prédateurs d'Emerald. C'est une compétition pour les amateurs de la pêche aux prédateurs. Utilisez toutes vos compétences de la pêche aux flotteurs et attrapez les plus gros prédateurs pour gagner dans cette compétition. Lieu, lac Emerald, New York. Temps d'inscription 27-5-2016 à 20 h, jusqu'au 27-5-2016 à 22 h. Ok, compétition de temps 45 minutes. Règles et restrictions. Gagner des points pour les prédateurs capturés. Utilisez uniquement des engins pour la pêche aux flotteurs et un vivier. Vous pouvez relâcher les poissons capturés. Les points seront sauvegardés. Le gagnant est déterminé par le nombre total des points pour les poissons capturés. Une récompense supplémentaire pour la capture des plus gros prédateurs. Ok. Vaut mieux les relâcher les poissons, parce que si vous avez un petit vivier, ça sert à rien de les mettre dedans pour vous retrouver avec 20 kilos de poissons, très peu quoi. Attribution de points. Grand brochet jeune, 3 ordinaires, 10. Brochet maillot ordinaire 10, trophée 15, unique 35. Ok, c'est les brochets qui rapportent le plus quoi. Ouais, faut viser les brochets. Météo, soleil, niveau minimum 5, frais d'entrée 30 $, récompense valeur du prix 9282 plus 16 pièces. Ça doit être chaud d'arriver troisième quand même. Hein. D'autres récompenses sont distribuées entre le quatrième et le dixième et la dixième place. Ok. Début dans 1h57. On s'y retrouvera, hein, parce que moi je vais tâcher d'y participer. Hein. Ça, pour l'instant, il n'y a que celle-là de compète. Ça, c'est quand ça? Et je sais pas quoi, pourquoi ils ont mis des dates à la con comme ça correspond pas à leurs dates là. Ouais, il y en a plein en fait. Ouais, mais là, c'est impossible de les faire tout en un jour. Hein. Je préfère prévenir que guérir. S'ils ont mis des hameçons sans ardillon, c'est que peut-être si on continue à pêcher comme on faisait avant, on n'aura peut-être pas la possibilité de les relâcher. Donc, je vous conseille d'en acheter sans ardillon là. Je sais pas. Je le sens bien comme ça, moi. Moi, je vais en acheter en tout cas. Écoutez. Je vous dis à plus tard pour cette compétition qui j'espère pour laquelle j'espère trouver une place quoi. Voilà. Y a pas de raison qu'on n'en trouve pas. Allez, à plus.